Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Louis Bola, je suis journaliste. Il y a quelques temps, j'ai proposé à Richard de le suivre avec une caméra pour documenter les coulisses de l'humour et de sa vie. Aujourd'hui, on est au 808 Mac and Cheese. C'est près de la place de la République à Paris. Richard a ses petites habitudes puisque c'est un pote à lui qui tient ce restaurant. Mais juste avant de commencer la vidéo, on fait juste un petit point sur ses plans de carrière. Est-ce que tu vas en prison un an pour 1 million d'euros? Oui. C'est pas compliqué. Bah non, c'est pas compliqué. 1 million, tu sais ce que je fais avec 1 million? J'achète 1 million de tac au tac et j'essaye de faire plus. Ce dimanche-là, on est au point virgule et on patiente devant le théâtre. On patiente parce qu'on attend Karim. Ils ont vu Karim ou pas? T'as filmé Karim? Alors pour ceux qui se demandent où est Karim, il a des problèmes avec sa voiture. Bon, en vrai, j'ai pas filmé Karim. Il galérait à trouver une place de parking autour du théâtre. Je suis sur scène dans 38 minutes. Et il est pas encore là. On n'est pas descendu, j'ai pas repassé mes affaires, j'ai rien fait. J'ai pas mis mes chaussures, j'ai pas bu de l'eau, j'ai pas... Putain, j'ai oublié ma gourde. Juste après, il s'est pointé. Je vous le montre pas dans la vidéo, mais il a clairement garé sa voiture de façon illégale. Karim, you're right. You're right. Hi Karim. Et Richard, il en est où dans son spectacle? Plus d'un mois que je joue au point virgule, ça se passe bien. Ce qui me plaît, c'est que j'arrive enfin à développer une heure. Semaine après semaine, je modifie des trucs. Je change, ça marche, je change, je rajoute des trucs, toujours un petit peu. Plus j'avance, plus il y a une évolution dans le spectacle, et moins je suis satisfait. C'est ça qui est bizarre. Il y a plus de rire, je suis moins content. Sur les dernières dates, Richard a parlé de l'élection présidentielle. Il a parlé du vote, il a parlé du vote blanc. C'est dans l'actu, c'est normal. Écoutez, c'est aussi simple que ça. Pour moi, voter blanc, parce que c'est pas comptabilisé. Voter blanc, c'est comme si, désolé pour l'image, hein, tu t'apprêtes à coucher avec une femme, t'es en érection, tu mets un préservatif et tu vas te coucher. Au lendemain du débat de l'entre-deux-tours, j'ai interviewé Richard sur ce qu'il en pensait du débat et ce qu'il avait regardé. Oh, qu'est-ce qu'il était nul le débat. Tu vois, moi je suis triste pour les 10 millions de racistes en France, je dis racistes. Je suis triste pour les 10 millions de personnes qui votent extrême droite. Parce que, tu vois, ils sont là, ils veulent voter extrême droite et tout, ils sont pleins de convictions. Tu te rends compte de quoi? Que leur candidate, elle n'est pas au point, même sur les débats, elle n'est pas au point. Encore à la limite, tu as une personne qui est calée sur le social, sur les choses comme ça et tout. Bah, franchement, Marine Le Pen, elle est nulle. Hein. Toi, tu as fait ton devoir de citoyen en premier tour? Bah, tu étais là, j'ai voté. Hein. Le savoir est une arme. Je vais charger mon arme. Et je vais tirer dans l'enveloppe. Comme ça, il va y avoir un trou de balle à l'Elysée. Ça, c'est fait. Lors du premier tour, je l'ai suivi au bureau de vote. Il était chargé à bloc. Il revenait de tourner, légèrement fatigué. Ce qu'il répétait en boucle, c'est que on avait dépassé un seuil de tolérance. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, il faut voter pour le moins pire. Là, ça y est, c'est bon. Putain, c'est là, pour de vrai, c'est là. Putain, on dirait qu'ils commandent tous un kebab. Tu rentres, tu votes, tu pars. 56. Ah non, tu sais, c'est pas là, moi. 56, c'est de l'autre côté, moi. Tu penses que c'est le rôle d'un humoriste, d'un artiste plus largement, de parler de politique ou pas du tout, ça n'a pas sa place? Oh, j'en sais rien, je suis tellement nulle part pour pouvoir affirmer ou infirmer des choses dans le monde artistique. Pour moi, tu dois t'imprégner de tout ce qu'il y a autour de toi, de ta vie. Et par la force des choses, ça fait partie de notre vie, de la mienne, même si je m'en fous de la politique, c'est incroyable depuis toujours. On te fait tellement rentrer ça au chausse-pied dans ta tête que tu es obligé à un moment donné de dire, bon, allez, c'est... je sais pas comment... voter Mélenchon, quoi, tu vois. Bonjour madame, numéro 3. Super, incroyable. Non, je vais en prendre qu'un, vous en faites pas. Est-il vraiment nécessaire d'aller dans l'isoloir? Je ne crois pas. Bonjour madame. Je vérifie bien que j'ai voté pour Mélenchon juste avant. Ok, c'est
c'est bon. Oh, vous en faites pas, tout le monde le sait. Madame, si c'est secret, les opinions de vote, pourquoi ils font des sondages ? Mais les sondages et les votes, c'est deux choses différentes. Ah oui. Le sondage est anonyme. Merci. Le sondage est anonyme. Oui, mais demande à des personnes. Dans un sondage, on ne peut pas relier le nom d'une personne à un vote. Mais il y a une personne qui le sait. Est-ce que je signe ici à l'envers, c'est ça ? Le mec, il arrive, il me dit prenez différents papiers et allez dans l'isolant. Mais c'est pas la peine, je sais pour qui je vais voter. J'ai pris le papier de Mélenchon, j'étais devant lui, il m'a donné l'enveloppe, j'ai dit « Est-il nécessaire d'aller dans l'isoloir ?» Personne qui va me faire quoi ? Il y a quelqu'un qui va sortir qui dit « T'as voté Mélenchon ?» Je vais dire « Ouais, t'as cru quoi ? T'as cru que tu me faisais peur, toi, t'es fou, toi, quoi ?» L'autre, je lui dis « Bah, de toute façon, attendez, je sors... » J'étais devant, je lui dis « Attendez, je sors le papier pour être sûr que j'ai voté Mélenchon. » Elle dit « Monsieur, c'est secret ce que vous devez. » Je lui dis « Secret de quoi ? Pourquoi vous faites des sondages si c'est secret ?» Non, mais les sondeurs, ils sont anonymes. Moi, il y a bien quelqu'un qui sait pour qui ils ont voté. C'est vraiment c'est de l'hypocrisie de la France. Lorsqu'on est dans la loge au sous-sol du point virgule, on ne capte pas de réseau. On est coupé du monde extérieur. C'est Karim qui nous a annoncé le début du résultat le soir même, juste avant le spectacle. Ah non. Non, ça pue quoi un peu, ça pue quoi. Sur le moment, il a eu du mal à digérer les résultats. Allez, je vais en parler tout de suite et après on passe à autre chose. Vous avez voté aujourd'hui ? Deux semaines après, il a eu le temps de digérer. Quoique. Il y a une inflation de... Après, on a subi une stagflation. Une stagnation. Louis, je craque. Moi, j'ai juste envie de rire en vrai. Hein. Ah oui. Oui. On a aussi changé de plan pour se foutre sous un lampadaire. C'est mieux pour l'interview. Tu vas aller voter au deuxième tour ? J'en sais rien. Tu vas aller voter au deuxième tour ? Moi, je vais aller voter au deuxième tour. Et toi, tu vas aller voter au deuxième tour ? J'en sais rien. On peut, en vrai. Tu peux aller voter Mélenchon, en vrai, je sais pas. Au deuxième tour, ça marche ou pas ? Toujours pas, hein ? Non. Et même lui, il aurait fait quoi, en vrai ? Il est là. Même lui, il aurait fait quoi, en vrai ? En vrai, ça fait des années. Depuis que je suis né, la politique, elle a jamais rien fait. Là, tu vas faire quoi, après, là ? Je vais aller jouer au Paname, là. Dans 20 minutes, je dois être là-bas, hein. Bah, let's go en vrai. Hein. On se voit la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Il y avait un boucheron. Allez hop. C'est la première fois de ma vie.